m'appelle Oscar Ferdinand. Ben moi, j'habite un Berkemsat à Gata. Donc, une fois 5 heures du matin, d'office, je suis réveillé. Et je dis comme ça, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en me frottant comme ça. Et alors, je dis, oh, tant pis, hein, je vais prendre ma douche et je m'habille et je vais à Debrouquer. Alors, je vais boire mon verre dans un petit bistrot là-bas, où c'était la métro. Et alors là, je vois encore des copains et chacun paye son verre, quoi. Quand on est dans la rue, je dormais avec Dany derrière la poste. Et quand on attendait le premier bus, on devait se lever. Parce qu'après, c'était le nettoyeur qui venait avec le tuyau d'arrosage. Ben, on venait ici, dans la station de métro. Moi, je me sens bien là parce que je suis dans un groupe, toute une bande, quoi. Ben, pour le métro, mon meilleur ami est là, Kamel. Planète Sandwich, tu peux crever de faim. Pour ça, Kamel, quand je lui demande un sandwich, il me le donne direct. Même que des fois, on s'engueule. Oh, mais pour rigoler, quoi. Mais moi, je fais pas la manche. Moi, je m'en sors avec ce que je gagne. À des fois, des passagers, des voyageurs, quoi, ils disent comme ça. Ouais, ça te clochère, ça me livrogne. Ben, je laisse dire, hein. Avec ceux de la STIP, je m'entends très bien. Monsieur Pépé, Madame Pépé, et avec Youssef, celui qui fait le nettoyage. Et bien simple, c'est quand lui qui m'a donné une cigarette. Je m'entends très bien avec eux. Je m'appelle Saïd, je suis agent de zone depuis quelques années ici à la STIP. Donc notre travail c'est surtout de la présence et des déclarations d'avarie. On rencontre aussi les personnes qui mendient dans les couloirs, on leur explique qu'ils ne peuvent pas, surtout en zone payante. Si ils occupent une place, un coin ou un passage gênant pour les clients, il faut leur demander, les inviter toujours à quitter la station. Si on lui demande de quitter et qu'elle quitte sans problème, c'est bien, ça, on en reste là, donc jusqu'à la prochaine fois on le reverra. Généralement on les voit tous les jours, donc ils reviennent, c'est des habitués, ils reviennent aux mêmes endroits, donc on sait où les trouver, on va dire. Et s'ils ne veulent pas quitter, on est obligé d'appeler la sécurité qui, elle, vient leur demander aussi de quitter la station. Allez, en général, ils réussissent à faire sortir les personnes de la station, mais ça ne dure pas éternellement, hein. Ces personnes reviennent 5 minutes après. On ne peut pas non plus monopoliser la sécurité pour des SDF, c'est impossible. Donc il y a le monsieur qui vient mendier le matin dans la station. En général, il est déjà là 6h30 du matin sur le quai en train de lire un journal. Le métro, là, le journal métro. Il lit son petit journal et puis à partir de 7h, il monte à la sortie palais de justice. Il accroche son petit sac derrière lui à la main courante. Et il ne dérange pas, vraiment, il se met dans un coin. Il fait son petit service, on va dire, il travaille, il presse 16h. De 7h à 9h du matin, il mendie, puis s'en va. Mais poli, gentil, sympa avec les gens, jamais de problème avec lui. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé dans la station, j'ai vu un monsieur qui mendiait. J'ai été lui demander de quitter la station. Et lui, il m'a dit, écoutez, monsieur, d'habitude, on me laisse. Votre chef, j'ai pas de problème avec lui, il me laisse. J'ai demandé à mon chef, il m'a dit, effectivement, c'est un habitué, on le laisse. Et depuis, c'est toujours comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui vient, on le prévient, on lui dit, écoute, lui, tu touches pas. Vite.
Moi, je parle pas sur le métro pour faire souvent la trois-quarts du temps de la Manche. Mais comme la première fois, on a peut-être plus l'habitude qu'au début. Mais la première fois, c'est quand même, on a la trouille, comme on peut dire. On a gêné et compagnie. Mais je suis toujours gêné, entre guillemets. Bon, je suis toujours gêné. Il y a des gens qui m'insultent et compagnie. Bon, pourtant, moi, je suis là, je ne le demande pas. Hein, je mets ma petite caisse là comme ça. Ceux qui veut donner. Et s'il veut pas, je n'oblige personne et compagnie de n'en donner. Bon, c'est vrai qu'on va me demander trop souvent. On est peut-être trop souvent, trop dans le même endroit. Mais on n'a pas le choix. Au moment, on n'a pas le choix. C'est ça, c'est marche ou crève, comme on peut dire. Moi, je ne me vois pas aller jusque dans les poubelles. Ça, je ne saurais pas. J'ai quand même une indemnité et compagnie. Mais je vous dis franchement, si on n'arrive pas les clients, les gens, on ne sait pas quoi faire. Quoi. Moi, c'est Claude. Mon rapport avec la STIP, ben, je m'entends très bien avec eux. Très bien. Très, 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 très bien. Tant Maurice, tant André, tant Albert, je les connais. Bon, on se discute, on parle, ça va aller, Claude, oui ou non. Alors, ils disent, si ça va pas, tu me le dis, Claude. Pour moi, depuis 10 ans que je suis ici, jamais eu un problème avec la STIP. Au contraire. Même les contrôleurs, tout ça, la sécurité, pas de problème. Ouais. Ils me voient, ça va Claude? J'ai dit oui, ça va, je dis pas un problème. Je dis non, pour le moment non. C'est quoi qu'il est, on va voir la café. Parfois, je donne tous les jours un coup de main pour sortir les poubelles le matin. C'est pour ça, avec la STIP, moi, on ne sait rien me dire. Je dors tout seul. Porte dalle, normalement. J'essaie toujours de trouver un coin juste pour moi. Quand c'est fermé, les agents, ils me connaissent déjà. C'est au cas par cas. Donc, si on sait que ces personnes, c'est des personnes qui vont s'installer proprement et repartir et laisser l'endroit propre, on va pas les foutre dehors. Mais quand on sait que c'est des parce qu'il y en a, malheureusement, il y en a plus des comme cela, donc des sales, des gens qui occupent l'endroit, mais qui le dégueulassent totalement. Et qui savent très bien que quelqu'un d'autre va nettoyer après eux, donc on s'en fout. Donc, caca, pipi partout, du papier qui traîne, des canettes écrasées, de la bière renversée. Là, ces personnes-là, malheureusement, on ne peut pas les laisser. Alors, on essaie d'insister pour qu'ils ne restent pas. C'est à quelle heure qu'ils ferment? C'est à 4h du matin? Non, environ, quoi, vers minuit 30, quoi. Ou Normandie, ça dépend. Ça dépend de la gare. Quoi. L'été, non. Hein. L'été, non. Mais l'hiver, les gens sont encore un peu conscients. Quoi. Je sais pas, parce que dehors, l'hiver, c'est difficile. Hein. Le soir, si on les voit s'installer, honnêtement, on peut pas les laisser. Et ils ne peuvent pas rester visibles, en fait. Hein. Ils ne peuvent pas rester dans un coin où tout le monde les voit, c'est impossible. Donc, nous, notre travail, c'est de leur demander de quitter. Mais on sait très bien qu'ils reviendront de toute façon. Et ce n'est pas pour autant qu'on va surveiller, on va dire, l'emplacement. La première fois, donc, au mois d'avril, que je suis atterri à Bruxelles, j'ai d'abord dormi dans le métro. Pourquoi? Parce qu'à une certaine heure, qui est 1h du matin, vous avez les volets qui se ferment. Donc, si vous êtes à l'intérieur, vous n'avez plus de passage, ce qui est un avantage dans le sens où vous ne risquez pas, à un moment de la nuit ou à un autre, d'être dérangé, voire agressé dans certains cas.
à condition que vous vous teniez tranquille, car il y a malgré tout quelques caméras de surveillance. Vous arrivez quand même à dormir 3h30, 4h, parce que jusqu'à 1h du matin, vous avez la musique de fond, qui est généralement assez, assez forte, mais elle reprend généralement vers 5h. 5h30, tu as le métro, il te réveille, il arrive, ouh, tu as un réveil, hein? C'est pas tilili, tilili, c'est Moi, je commence à 6h, on les réveille, on leur demande de partir. Mais ce qu'ils demandent, c'est que bon, le matin, que vous ayez tout remballé. Parce qu'il ne faut pas toujours leur jeter la pierre non plus. Hein. Il y en a des mauvais, hein, c'est pas ça, hein, mais il y en a des braves gens qui eux-mêmes nous proposent de descendre en bas parce qu'il fait plus chaud que de rester dans les escaliers. Mais tout ce qu'ils nous demandent, c'est que pour 5h, 5h30 au plus tard, que tout soit remballé, et que ce soit propre, parce qu'il y a quand même les clients qui sont là. Là, un jour, il y a dit, les clients, j'ai dit, moi, je suis aussi client, j'ai un abonnement. C'est pas ça, la vérité. Et ben, il dit, oui, mais donc, c'est ça qu'ils demandent. Et alors, pour laisser traîner des carnets, parce qu'ils voyaient malgré tout, qu'il y a les, on est 4-5 là, mais il y a des gens qui boivent, ils demandent pour laisser traîner les carnets. Il y a des poubelles, non? Mettez-les dans les poubelles. Fumez, allez fumer dehors. Tu prends des journaux, et on prend des journaux pour se mettre en dessous du cou ou pas avoir mal sur les banquettes. Demande de les remettre en place. C'est quand même pas chinois, hein. Il faut un peu de savoir-vivre, respecter les autres aussi. Bon, maintenant, je le dis, maintenant, il y en a qui nous ont flanqué carrément dehors aussi. Hein. Moi, c'est Abelin Nordine. Je travaille dans le métro depuis 34 ans. On a fait plusieurs sociétés. Je travaille avec la société GOM. Je suis responsable de l'axe sud. C'est-à-dire, j'ai mes stations, ça commence de Port-de-Halle à Delacroix. Et j'ai aussi de la Bourse à Albert, le pré-métro. Je suis responsable de nettoyage. Nous, on arrive à 6h du matin. On fait l'apparence. L'apparence, c'est-à-dire, on vide les poubelles, on passe les machines, l'autolaveuse, on dit bonjour à les SDF qui sont là. Parfois, on leur met des cafés et tout. Souvent, on fait ça, c'est vrai. Donc, moi, c'est Mimoun. Ça fait depuis 4 ans que je m'occupe du nettoyage. Je suis inspecteur. Moi, je travaille pour la CIB. Donc, on a pris toujours une sous-traitance qui est GOM, qui s'occupe donc du nettoyage des stations. Tous les mois, on fait un contrôle PDA. Donc c'est un contrôle qui est fait avec un appareil qui calcule donc le pourcentage de propreté qui est actuellement de on va dire, plus ou moins 85%. Donc tous les pourcents qui sont donc en dessous, ça devient des pénalités donc en euros. Donc quand on fait les contrôles, donc ils viennent avec nous, on leur explique les lacunes qu'il y a dans leur station. Et depuis presque 2 ans maintenant, on n'a pas eu une station en dessous de 85. Ouais, c'est magnifique. Avant, c'était plus, on contrôlait, on sanctionnait, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de dialogue déjà avec nos nettoyeurs. Hein. Le seul souci, c'est vrai que tous les matins, ils sont confrontés à ce genre de souci. Donc, c'est-à-dire les SDF qui a de nouveau sali, qui a de nouveau vomi. Enfin... J'ai un nettoyeur qui s'occupe de la station Bourse. Et ce matin, il m'a appelé, il est complètement traumatisé. Hein. À l'accès d'eux. C'est pas quand ils sont au travail, ils sont avec les chiens et tout. Chaque fois, il va appeler le BCO pour travailler, faire l'accès. On n'est pas contre ces gens, on discute avec eux et tout, mais le problème, ils ne respectent pas notre travail. Et faire attention si vous avez un besoin naturel
à éliminer, parce que ça peut arriver, ça c'est un peu scabreux. Enfin bon, il y a chacun ses petits trucs, donc moi personnellement j'utilise un sac en plastique. Du papier toilette, de toute façon j'en ai toujours avec moi, parce que bon, pour mon nez, tant soit peu un bobo ou vous êtes sale, parce que malgré... Il faut quand même une certaine forme d'hygiène aussi. Nous, on a reçu de l'ordre qu'on ne peut même pas le parler. On ne peut pas déplacer leurs affaires, on ne peut pas toucher leurs vêtements et tout ça. J'avais discuté avec la responsable donc, de chez GOM. Elle m'a bien expliqué que donc, c'est par mesure de sécurité. Parce qu'il y a déjà eu donc, des nettoyeurs ou des chefs donc, d'équipe qui ont essayé donc, de négocier justement avec des personnes qui étaient agressives. Et ça s'est terminé en agression. Mais ça va... On n'est pas contre ces gens, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas nous qu'on va résoudre le problème. Donc ce sont des agents qui nettoient tous les jours les mêmes stations et que bon, ils arrivent à avoir donc un certain dialogue avec ces personnes-là. Allez, je trouve qu'il y a des affinités, on va dire, qui se créent entre certains SDF et certains nettoyeurs. Dieu merci, hein, parce que ça serait catastrophe. Rien que le fait de dire bonjour, moi je trouve que c'est déjà une bonne chose, quoi. Vous lui dites bonjour, mais je sais, je le comprends, c'est pas évident pour eux, même pour nous ici. Par contre, c'est pas facile pour nous, d'ailleurs, aussi. C'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un esprit d'équipe. Enfin, heureusement, mon équipe sont pas trop agressives, mais on n'arrive pas à garder la qualité demandée par la STIP. Ça, désolé, on n'arrive pas. Aidez-nous à conserver nos stations propres en déposant vos déchets dans les poubelles. Les toilettes? Gare du Midi avec ça? Ouais, enfin, ceci dit, Gare du Midi, c'est payant et puis c'est relativement. Il y a effectivement celle de la Gare du Midi même et c'est mais une dans la station. Il y a aussi la toilette publique là. Moi, c'est Nicolas, je suis agent multimodal. Je suis d'accord sur le principe qu'effectivement il y a les commodités nécessaires, mais. C'est pas accessible pour eux, vous allez voir, malheureusement, généralement les SDF à la Gare du Midi ne sont pas les plus propres sur eux, donc ils vont arriver dans les toilettes qui sont d'autant plus payantes dans la gare même si c'était gratuit et qu'il y avait quelqu'un à l'entrée, on leur dirait vous pouvez pas venir. Des jours se lèvent, il faut déjà qu'elle en s'équipe. À la nouvelle année, on a dansé ici. Hein. J'ai dansé avec les clients. Dans tes bras, même les poutines sont des matins. Abandonnez-vous, descendons-nous. Qui me rappelle. Il y a réussi à voir si c'était plein de son d'abri, mais des buveurs. Et moi, maintenant, il ne rentre plus avec des canettes. Il doit mettre les colonnes ici. Il ne peut pas aller à la toilette. Il ne paye pas, naturellement. Mais il faut faire un geste de temps en temps. Mais quelquefois, on dit, oh, il ne faut plus aller avec les sans-abri et tout ça. C'est mes gens. Je n'en plus rien. C'est mes amis. Voilà. Parce qu'ils m'ont toujours respecté. Il y en a qui viennent ici. Mamie, tu te fais du mal, tu nous le dis. Hein. Mais maintenant, ils sont obligés de les laisser dormir dans la gare. Il y en a tout plein au matin quand j'arrive là par terre. C'est triste à voir parce que moi, j'ai été travailler au caseux, mais je suis content d'avoir fait ma vie là pour connaître les gens malheureux. Voilà, parce que celui qui n'a jamais passé par là, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Oh, je viens d'avoir toutes les sécurités ici. Ici, on aime bien venir parce qu'il est très propre. Hein. Merci. Bonjour, madame. Ça va? Ça va. Tout va bien? Oui. Ben, j'ai fait les toilettes ici à Beyrouth. Alors, le soir, je fais encore les toilettes au Quick. 3 jours par semaine. Si on toucherait plus de pension, on ne devrait pas travailler. Hein. Ici, les sans-abri, ça va. J'en ai pas beaucoup. Peut-être un ou deux. Je
J'oublie pas que j'étais courbeux. J'étais presque 17 ans courbeux. Oh oui. Je vois de temps en temps des anciens, mais c'est rare. Beaucoup des habitués, tout ça. Je suis indépendant, je n'étais pas de la CIP. Je paye juste mon loyer, c'est tout. 66 euros par mois. Je suis responsable des toilettes de Bruxelles. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Ça, c'est une chose certaine. J'ai eu des problèmes avec certains qui sont à la rue comme ça. Je ne dis pas avec tous, mais avec 4-5 comme ça, qui m'ont même interdit l'entrée ici suite à la sécurité. C'est la sécurité qui m'a dit c'est telle personne ne peut plus rentrer ici. Je ne les ai pas rentrés, pourquoi? Parce que de un, il y avait une question d'hygiène via les autres personnes qui venaient ici. Elles passaient là-devant. Oh, oh non, on va ailleurs. Oh, ça sent mauvais. Oh, oh non, oh, on ne viendra plus ici. Alors j'ai dû faire halte là. Bon, certains sont revenus avec d'autres, avec des documents, comme quoi toutes les semaines ils se font, ils vont aux soins. Ceux-là, pour autant qu'ils soient propres, enfin propres, qu'ils ne sentent pas, c'est déjà une bonne chose, propre, c'est pas toujours facile, ils peuvent rentrer. Mais les trois quarts, vous savez bien comme moi. Voilà, merci. Se mettre aux mains, violent, taper. Ah oui, alors là, ils sont agressifs. Alors moi, les gens, vous savez bien, il y a des jeunes dames, des jeunes filles qui viennent ici, quand ils voient ça, ben, on s'en va. Moi. Alors on ferme carrément les toilettes alors. Hein. Ou alors, ils font leurs besoins vraiment à côté, enfin, pour me faire, me dire l'expression, pour me faire chier. Alors moi, déjà pareil, c'est mais non, c'est Beuton, tout le monde est chez nous. Hein. Voilà. Sinon, moi, je suis la porte ouverte à tout le monde, je suis gentil, je suis très brave, ils me connaissent très bien. Vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a même pas d'argent. Oh, je ne sais pas payer, c'est pas grave. Mais il y a une façon de le dire d'abord. Parfois, ils rentrent. Hein. Je dis, oh, je n'avais pas de sous. Hein. Mais je dis gentiment, tu aurais pu me le dire en entrée. Va te faire foutre. Alors, c'est déjà pareil. Une fois, ils rentrent, pas deux fois. Et voilà. La gare. Ben, écoutez, c'est la vie de la rue, c'est l'alcool, des fois il y a des bagarres, bon, on est tous ensemble quand même, bon, par exemple entre eux on s'entend bien, mais il y a quelques-uns que, quand ils sont alcooliques, voilà, ils sont agressifs, hein, ça il faut, il y a la police partout, il y a tout ça, hein, c'est comme tous les rapports, c'est le rapport de la rue, hein. C'est l'alcool qui parle, hein. Et dans la rue, Même moi avant je buvais pas et depuis que je suis dans la rue, maintenant c'est obligé. C'est pas une obligation. Moi, je connais quelques SDF qui ne boivent pas, mais bon. Merci madame, bonne journée. Hein. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Moi j'aurais jamais de problème, j'ai eu jamais de problème. 7 ans je dormais sur la rue, 30 ans je suis ici. Et tu dois être gentil avec moi. J'ai trop passé dans ma vie. Hein. On me connaît bien ici. Avant, c'était mieux. C'est passé comme ça, on vit en 2014, la vie. Ça change. Hein. Et puis, ça va toi? T'as froid? Ah oui, tu mets ton chapeau. Ah. Thank you.
accordéon et darbouka. Et ça, c'est mon travail, ça. Moi, je n'ai pas à les voler. Et moi, j'ai besoin de l'argent parce qu'il n'y a pas de travail. Dans la métro où j'ai joué, il a dit pas possible parce qu'il s'est fait déranger public. J'ai demandé avec les messieurs Karayman, c'est directeur de gare. Il a dit, les messieurs, vous pouvez jouer, tu dois prober un peu, il a dit. Vous pouvez tu donner une probation pour tu connais bien jouer. Après, il a porté une professeur ici pour jouer. Moi, j'ai joué. Après, il a dit, oui, c'est bon, j'ai une autorisation. Ça, à la gare centrale et Rogière, j'ai une autorisation. Et toujours, il va venir la police et il va dire comme ça, c'est une heure après parti, non? Ici, c'est 8 heures jusqu'à 8 heures ce soir. Il faut bien vous dire que, bon, vous prenez ne fût-ce que la gare centrale, vous avez je ne sais combien de surveillants de la STIB, vous avez je ne sais combien de policiers. Pour finir, ils vous connaissent, ils vous repèrent, ils vous surveillent quelque part. Généralement, bon, quand ils voient que vous êtes correct, ils ne vous embêtent pas trop. Vous allez même jusqu'à sympathiser avec certains, dans le sens, Patrick, on est dimanche, il y a beaucoup de groupes qui passent, mets-toi un peu sur le côté, tu sais, ça... pour l'image de la SNCB, de la STIB, ou bien pour d'autres organismes, ou bien voire même des magasins qui sont ouverts, où là, on vient vous demander, tiens, tu peux pas te mettre un peu plus sur le côté, parce que c'est l'affluence, etc. Bon, on parlait de la salle d'attente, bon, ben, généralement, bon, il y fait chaud, j'y suis assis, au bout d'un certain laps de temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, je commence à somnoler. Vous êtes contrôlé par des policiers qui vous demandent votre titre de transport parce qu'il est bien stipulé, il est bien stipulé généralement à l'entrée que ce n'est réservé qu'aux personnes possédant un titre de transport. Bon, ben, je n'en ai pas. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir un. Je dis, ah, cette fois-ci, pas de chance, j'en ai un. Ah, ben ça va, pas de problème. Mais si j'en ai pas, on me demande, monsieur, vous ne pouvez pas dégager, s'il vous plaît. Il reste correct et courtois. Pourquoi? Parce que il y a quand même une masse populaire alentour. Donc généralement, ben, nous partons, nous attendons que leur ronde, pour certains, soit terminée, et hop, nous revenons à la case départ. Nous allons faire un petit tour, nous dégourdir un peu les jambes. Ben, moi, je m'appelle César, et je suis agent de station à la STIB. Nous, en tant que personnes de station aussi, on est confrontés tous les jours à cette souffrance. C'est un problème que l'on marginalise aussi, parce que bon, maintenant, les gens, à la rigueur, on croise quelqu'un qui est couché à terre, ben, la rigueur, c'est normal, quoi. On ne va même plus prendre la peine d'appeler ou de le signaler. Bon, voilà. La différence des gens, parfois, me blesse. Les gens ne nous voient plus, pour finir. Ils sont tellement habitués, soit de nous voir, parce que ce sont des navetteurs. « Ah, bonjour, monsieur, ça va ?» Et puis, pour finir, hop, on se fond dans la masse. On devient des... Je ne vais pas dire des meubles, mais presque... Ouais, on devient invisible pour eux, des fantômes, ou bien des bruits. Tiens, ah, il y a quelqu'un. Pour moi, ce qui me blesse le plus, c'est le regard des plus gens. Plus que le mot, en fait. Oui. Plus que le mot. Ouais. À moi, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange beaucoup, parce que les gens, ils passent, ils mettent la main sous la bouche, ou un tissu, ou n'importe quoi, et donc c'est un peu vexant pour les gens qui sont là, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même propres. Et quand on fait ça, c'est comme si tu disais que ce sont des cochons, ce sont des gens qui se lavent pas, ou que voilà quoi. Je comprends les gens qui passent, mais bon voilà, c'est toujours le cliché quoi. C'est toujours ça le problème. Enfin, il y a jamais une idée positive en fait. Enfin, je connais beaucoup de gens qui sont à la rue, ici à Saint-Gilles, qui sont polyglottes, ils parlent 5-6 langues. Hein. C'est des gens cultivés, c'est des gens que tout peut parler, ils sont curieux de la vie, Donc, moi, si je suis tombé là-dedans, je n'ai jamais été dans cette façon-là. Et je dis, moi-même, avant, j'avais aussi un peu jugé par rapport à ça.
m'appelle France, je travaille dans un magasin d'alimentation, donc tout près de l'embouchure du métro. Le problème qu'on a, c'est que la clientèle qu'on a, qui est habituelle, n'apprécie pas toujours le fait qu'il y ait des sans-abri, parce que certains sans-abri sont visuellement très dégradés, sont pas très bons. Par exemple, pour le Panos, quand on a un monsieur qui est vraiment dans un triste état et qui vient régulièrement, donc ce qu'on fait pour satisfaire tout le monde, eh bien, c'est que s'il y a une grande file, on va le servir en premier. On le fait passer avant tout le monde, comme ça, ben, lui, il est servi, il est content, et la clientèle est plus rassurée une fois qu'il est parti, quoi. Lui, il est content, tout le monde est content, en fait. Autant il y a des personnes qui reculent même, autant il y en a d'autres qui sont prêtes à aider. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. La gare centrale, on a une ancienne dame qui fait les sandwichs. Ouais. Elle est là depuis des années. Et elle a l'habitude. Donc, elle sait gérer ça. Par contre, en face, on a un petit commerce. Donc, ils vendent aussi d'alimentation. Et bien, sur quoi les deux premiers mois qu'ils étaient là, mais c'était plainte sur plainte. Hein. On recevait des plaintes. Il y a un SDF qui a fait ça. C'était catastrophe. Juste un paquet de Camel Light, s'il vous plaît. Un grand paquet. Merci. Donc, je m'appelle Philippe et je gère un commerce librairie dans une station de métro. Avec les gens laissés pour compte, on va dire comme ça, moi, ils ont besoin de quelque chose, je les sers. Si je peux les aider, il y en a certains qui viennent charger leur GSM. Je charge leur GSM. S'ils ne savent pas lire leur courrier, je leur lis parfois une lettre, etc. Il y en a certains que j'ai appris à connaître parce qu'ils se présentent, parce qu'ils sont... Je vais dire sérieux par rapport aux autres, ils essaient encore de faire des petites courses pour tiens, je peux aller faire vos courses si je peux gagner un petit sou, etc. Ils essaient de se débrouiller comme ça. Mais comme je vous disais, il y a une personne dans la station, quand elle passe, elle est agressive avec tout le monde. Encore plus agressive quand elle boit. Ça a été jusqu'à donner des coups de couteau à des autres SDF. Quand elle vient ici, elle aborde les gens comme si elle les connaissait. Tu me payes à boire, elle rentre avec eux. Elle est sans gêne. Ça va pas. Elle vole des trucs dans le magasin, donc elle m'a déjà volé plusieurs choses. Donc elle, il y a une barrière, elle, c'est terminé. Par contre, il y a une autre personne qui vient là-bas dans le métro avec ses chiens, etc. Il est venu une fois, il m'a demandé est-ce que vous pourriez charger mon GSM. Je l'ai chargé, et de jour en jour, il venait presque tous les jours les chercher, il achète deux, trois trucs. Le problème, c'est que quand il a bu, ben, même chose, il m'a déjà volé aussi une canette. Et je lui ai expliqué le lendemain. Quand je l'ai vu, je lui ai fait ton GSM, non, tant que tu ne m'as pas payé, qu'est-ce que je t'ai volé? J'ai dit, ouais, pour ça tu fais. Mais oui, je dis, il y a une relation de confiance. À partir du moment où tu brises cette confiance, ça ne va pas. Bon, maintenant, il s'est excusé. Deux jours après, j'ai recommencé à charger son GSM. Et je sais que c'est début de mois, il touche son argent, il boit plus, il perd un peu la carte, il fait des conneries. Et après, ben, les trois autres semaines, il est dans la merde parce qu'il n'a plus d'argent. Parce que... La sécurité de la STIB, est-ce qu'il intervient? Si vous les appelez, ça se passe comment? En règle générale, en tant que commerçant, si on appelle, ils interviennent relativement vite. Mais ils ne peuvent pas intervenir n'importe quand, n'importe où. Elle est dans le commerce, ils ne peuvent pas intervenir. Il faut attendre qu'elle soit en dehors du commerce, qu'elle soit dans une zone où ils ont autorité. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est éventuellement lui demander de sortir, lui demander, parce que même les papiers, même les choses ainsi, ils ne peuvent pas. Je m'appelle Bruno Batifoy, je suis agent de sécurité à la STIB, j'ai 53 ans. Je fais ce travail depuis 6 ans maintenant. Alors on intervient sur appel. Donc que ce soit le personnel qui est sur place, que ce soit des voyageurs, des civils, des landas. Il y a donc un dispatching chez nous, dispatching sécurité, qui s'occupe que de ça. Et nous, via radio, avec des véhicules, on intervient sur place. Je m'appelle Linda Bogert et je suis agente d'intervention également. A priori, on y va par la gentillesse et la parole. On essaye de prendre contact et de voir comment ça se passe. Maintenant, comme je vous dis, il y en a qui sont agressifs, donc on est obligé de mettre nos gants et de les aider à sortir du véhicule. Parfois gentiment, parfois un peu plus énergiquement. Mais encore une fois, ça reste selon le personnage à qui on a affaire. Si on en vient aux mains, c'est qu'il n'y a plus moyen de gérer la parole. Il y a des situations où on doit appeler la police. Parce que nous sommes agents de sécurité, on n'est pas policiers. Selon les compétences qu'on avait... À l'époque ou maintenant, les interventions sont totalement différentes. Hein.
C'est beaucoup plus social. Moi, quand je suis rentrée à la STIP, on travaillait avec la carte de police. Donc, il est clair qu'avec les années, ben, on a dû approprier notre travail selon les lois et les compétences qu'on nous donne. Le négatif, moi, je trouve là-dedans, c'est le vide. Hein. Le vide qu'il y a là autour. Qui fait quoi? Comment? Où? On va y poser la question à la fédérale. Ils vont vous répondre la même chose. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? À la fin, ils les connaissent aussi. Ils savent ceux qui peuvent négocier. Ils savent ceux que vous avez beau leur dire « vous avez fait ça », non, c'est pas vrai. Ils vont être d'office agressifs. Alors là, ils cherchent même pas. C'est « on rentre, on sort ». Parce qu'ils veulent pas, ils n'ont pas de temps à perdre quelque part. Ils sont payés pour faire de la sécurité, mais il y a une équipe pour 5-6 stations de métro. Donc, quand on les appelle, il faut que ça aille vite, que ça soit efficace. Donc, ils ne peuvent pas commencer à dialoguer pendant une heure avec la personne. Ça marchera peut-être hein, à la fin de l'heure. Malheureusement, le temps imparti aux SDF... Et ben c'est une perte de temps. Hein. C'est une perte de temps qui pourrait être canalisée autrement que par des agences type, effectivement. Le problème, c'est que ces gens-là, on voit beaucoup et on voit tout le temps. Donc après, à un moment, ils ont une sorte de ras-le-bol. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a de ceux qui sont de bonne volonté. Mais à partir du moment, ils ont un nom, deux noms, trois noms. Mais le quatrième, ils ne vont même pas réfléchir. Ils vont prendre, ils vont jeter, ils ne vont pas essayer de comprendre, ils vont pas... Ils n'ont peut-être pas d'autres alternatives qui pourraient être des éducateurs de rue, qui pourraient être appelés tel ou tel service qui viendrait s'en occuper. Eux, c'est dehors ou police. Il n'y a pas de, il y a pas d'autre solution. Oui, éducateurs de rue, oui, on en voit quelques-uns, mais on ne les connaît pas suffisamment. Il y en a certains qui sont vraiment discrets. On n'a pas de listing de choses ainsi, on n'a pas de numéro de contact, on n'a pas de nouveau, ça va être répression, etc. Il y aura plus ce truc de médiation qui pourrait servir. Moi, je m'appelle Bram et je travaille pour le Lasbel Diogène. Je suis travailleur de rue et plus spécifiquement dans le projet de métrolien. Donc, c'est un projet pour travailler avec des gens qui habitent dans la rue, qui habitent dans les gares du métro. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a les voyageurs, les commerçants, les monsieur ou madame Pupi, les agents de la STIP et tout ce contexte. C'est très important. Tout le monde peut, sur sa manière, peut signifier quelque chose dans la vie du personne sans abri. Et je dis, pour moi, ça ne peut se faire que d'un côté où il y a un travail, je dirais, d'équipe où les personnes qui ont en charge de ça, les éducateurs de rue, les infirmiers de rue et le personnel, il y a, je dirais, des moments de rencontre où on dit, bon, voilà, on va élaborer ensemble la prise en charge de ce problème, qui est un problème réel, et de trouver des solutions. Parce que ici, je dirais, c'est vraiment préparant nos mouchoirs, chacun pleure dans son coin, et il y a des gens qui ont une volonté de faire les choses, mais politiquement, il n'y a pas une réelle prise de conscience de la souffrance de ces gens, mais aussi de la souffrance des personnes qui travaillent tous les jours et qui voient ça. À un moment donné, on dit... Dans quelle pièce est-ce qu'on joue ici, quoi? Petite, toi, je te dis, sauf vous aider tout parler, pourtant tout voir, oh, oh, Champs-Élysées.